Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Théâtre de la Ville, l'espace Cardin, comme nous avons maintenant l'habitude de le faire depuis le début de ce confinement, pour un nouveau week-end combat en partenariat avec France Culture. Nous allons nous retrouver tout de suite pour une grande dictée présentée par Olivia Guesbert et Rachid Santaki, avec deux cobayes, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture qui est ici à mes côtés, et Étienne Klein. Étienne Klein que nous pourrons retrouver à 16h en direct, toujours sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville et sur le site Internet, pour la grande conversation scientifique qui, comme l'ensemble de ce week-end, sera consacré aux océans. Et la question que va poser Étienne, je crois, est de savoir est-ce qu'on est vraiment heureux comme un poisson dans l'eau. Voilà, merci à vous, merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez suivre et faire cette dictée en direct avec nous depuis le site. Et puis, je vais passer la parole à Sandrine Trainer, à laquelle je souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Christophe Lemaire. Ben, bonjour à toutes et à tous. Oui, ben, on va s'y mettre. On va faire une dictée avec Étienne. On va essayer de ne pas être trop ridicule. On s'est dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être ensemble avec vous également. J'espère que vous avez taillé vos crayons. Moi, j'avais plus d'encre dans mon stylo, donc j'ai un crayon. Que vous avez vos crayons, vos stylos, une feuille de papier. On va commencer effectivement à 16h. Nous serons également en direct sur l'antenne de France Culture. Pour écouter Étienne Klein se demander en fait si les poissons sont aussi heureux qu'on le dit. Peut-être ils sont heureux comme des humains dans l'eau, enfin on ne sait pas bien exactement. En tout cas, on va voir ça. Et puis à 20h, on vous retrouvera avec Aurélie Charron pour notre émission théâtrale. Et à 21h, une fiction composée de lectures de textes évoquant le sentiment océanique. Et puis ça continuera demain, dès 11h, avec l'Esprit public d'Émilie Aubry. Bon ben j'y vais, hein. Je suis obligée. À tout de suite. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment l'air, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations d'un voix. Il y a cinq voyelles ou voix, A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. A. E. A. E. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A. E. I. A. E. I. 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 Cela est vrai. Vive la science. Extrait du Bourgeois gentilhomme, une captation, un enregistrement, une réalisation de 1968 avec Michel Serrault en Monsieur Jourdain et Henri Virlogeux qui est ici le maître de philosophie. C'est une leçon d'orthographe pour Monsieur Jourdain qui semble trouver cet exercice-là plus simple quand même que la philosophie, voire Étienne Klein peut-être que de la physique. En tout cas, on va voir si pour vous, l'orthographe, les mots sont plus faciles à manier que les concepts physiques et astrophysique à C'est nos côtés. Un test. C'est un test pour vous. À mes côtés, Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Et Sandrine Trainer, notre deuxième invitée, bonjour. Bonjour. Étienne Klein, enfin avec nous pour cette dictée particulière. Un grand merci aux équipes du Théâtre de la Ville qui nous accueillent ici chez elles pour cette dictée géante. Et bienvenue à vous qui nous suivez sur France Culture ou en vidéo via le Facebook Live de France Culture. C'est la dictée des fêtes et du coup, on avait envie d'inviter Sandrine Trainer à qui il revient à l'initiative de cette dictée sur notre antenne, et Étienne Klein qui chaque samedi nous précède et nous succède avec son anagramme. Aujourd'hui c'est fait, on ne va pas se quitter en fait. Hein. Et non, c'est parti. C'est parti. On va vous faire un petit rappel des règles ensemble, Rachid, comment nous allons procéder avant d'ouvrir la discussion sur cette dictée. Une première lecture, comme à chaque fois pour se mettre le texte dans l'oreille. Une seconde un peu moins rapide pendant laquelle vous allez pouvoir prendre note, écrire. Puis on va se relire ensemble avec une lecture correction et puis tenter de soulever les réponses, ou les questions d'abord, et trouver les réponses à vos questions sur les points de grammaire ou d'orthographe qui auraient pu poser question les zones d'ombre de ce texte. Rachid, qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait? Quel classique?
Quel sera le sujet de cette dictée ? Alors, le sujet sera Noël, évidemment. Et donc, c'est un extrait des Lettres de Montmoulin et le passage, donc le récit des trois messes basses, qui est tout simplement un des recueils, et c'est un récit de Noël. D'accord, un extrait des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Extrait de ce récit, les trois messes basses. Alors peut-être juste pour recontextualiser l'extrait et vous aider en y apportant un tout petit peu de sens, on va entendre dans le passage suivant le péché de gourmandise d'un prêtre se formuler. Il y a aussi Garrigou, qui est le diable déguisé en clerc et qui raconte dans le menu détail les plats et les saveurs d'un repas auquel le prêtre ne saura en réalité pas résister. Voilà pour ce texte. Première lecture avec vous, Rachid Santaki. C'est parti. J'indique juste quand je préciserai les tirets pour les dialogues, on seront tout simplement les tirets. Voilà. On est très bon en tirer avec Étienne. D'accord. Ouais. Hein, c'est là qu'on est sûr de jamais faire de faute. Vous n'hésitez pas à nous interrompre ou à interrompre Rachid si vous avez besoin d'une reformulation. La ponctuation sera marquée aussi pendant cette dictée. Oui. Et les liaisons. Les liaisons également. Même les plus dangereuses. Surtout les plus dangereuses. Très bonne dictée à toutes et à tous. Jésus Maria, point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes, point de suspension. Donne-moi vite mon surplis, virgule Garrigou, point de suspension, et avec les dindes, virgule, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine, point d'interrogation, point de suspension, tiré du dialogue, oh, point d'exclamation, toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, virgule, des huppes, virgule, des gélinottes, virgule, des coques de bruyère, point. Fin de la dictée pour les écoliers. La plume en volait partout, point de suspension. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, virgule, des carpes dorées, virgule, des truites, virgule, des points de suspension. Tiret, grosse comme en, virgule, des truites, virgule, Garrigou, point d'interrogation. Tiret, grosse comme ça, virgule, mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation, point de suspension. Tiret, oh Dieu, virgule, il me semble que je les vois, point de suspension. As-tu mis le vin dans les burettes, point d'interrogation, tiret. Oui, virgule, mon révérend, virgule, j'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Mais dame, point d'exclamation, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit, point final. Voilà. Ouais, moi, je sais déjà où sont mes fautes. Hein. D'accord. Je la fais quand même. Ou... Mais tu peux les corriger alors. Hein? Donc si tu les connais, tu peux les si corriger. Si j'étais capable de les corriger, en fait, on va voir. C'est parti pour la seconde lecture. C'était une mise en bouche, en fait. Hein. C'est ça, maintenant oui. On y va. Maintenant, c'est sérieux. Ouais. Jésus Maria, point d'exclamation. Jésus Maria, point d'exclamation. Jésus Maria, point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes, point de suspension. Jésus Maria, point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes, point de suspension. Donne-moi vite mon surplis, virgule. Donne-moi vite mon surplis, virgule, Garrigou. Je vais vous appeler Garrigou, G majuscule A2RIGOU. Donne-moi vite mon surplis, pardon, virgule, Garrigou, point de suspension. Et avec les dindes, virgule, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine, point d'interrogation et point de suspension. Qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine, point d'interrogation, point de suspension. Tiré du dialogue, oh, point d'exclamation. Oh, point d'exclamation. Toutes sortes de bonnes choses, point de suspension.
au point d'exclamation toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. Toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, virgule. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, virgule. Des huppes, virgule. Des huppes, virgule. La fameuse huppe. Des huppes. Ah, des huppes. Des ben huppes, oui. Virgule. C'est ce qu'on a mangé hier soir, les huppes. Des huppes, virgule. Vous tentez de me déconcentrer. Hein. Je vais rester concentré. Des huppes, virgule. Des gélinotes, virgule. Bon, alors là, ça se corse. Des huppes, virgule. Des gélinotes, virgule. Attendez. Des c'est pas si huppes, facile, hein, gélinotes. Virgule. Des gélinotes, virgule. Des gélinotes sur 20. Des gélinotes, virgule. Géli mauvaise note. Des coques de bruyère. Des coques de bruyère, point. Des gélinotes, virgule. Des coques de bruyère, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Donc nous, on s'arrête ? Non. Vous me semblez un peu jeune pour... Non, il faut quand même se comporter en patronne, Sandrine Trainer. Des coques de bruyère, point. Fin de la dictée pour les écoliers. La plume en volait partout, point de suspension. 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 Puis de l'étang, on a apporté, puis de l'étang, on a apporté des anguilles, virgule, des anguilles, virgule. Sous roche. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, virgule, des carpes dorées, virgule, des carpes dorées, virgule. On a apporté des anguilles, virgule, des carpes dorées, virgule, des truites, virgule, des truites, virgule, des points de suspension. Des carpes dorées, virgule, des truites, virgule, des points de suspension. Nouveau tiret, donc un tiret. On tourne à la ligne, tiret. Grosse comment, virgule. Grosse comment, virgule. Les truites, virgule. Grosse comment, virgule. Grosse comment, virgule. Les truites, virgule. Garigou, point d'interrogation. Grosse comment, virgule. Les truites, virgule. Garigou, point d'interrogation. Retour à la ligne et toujours ce tiret. Grosse comme ça, virgule. Grosse comme ça, virgule. On est au théâtre de la ville, hein. Vous pouvez aussi faire des gestes. Rachid Santaki. Grosse comme ça, virgule. La truite. Non, mais une truite, ça n'a jamais fait cette taille-là. C'est énorme, là. C'est plus que grosse, là. C'est une énorme. Truite, c'est... une grosse truite, c'est comme ça. Voilà, il s'agit de donner envie. En fait. Ouais. Ouais. Ouvrir ça. L'appétit. Tirer grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation. Voilà. Ah oui. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation et point de suspension. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation et point de suspension. Donc on retourne à la ligne, retour à la ligne, et de nouveau un tiret. Oh, point d'exclamation. Oh,
point d'exclamation. Dieu, virgule, au point d'exclamation. Dieu, virgule, il me semble que je les vois, point de suspension. Au point d'exclamation. Dieu, virgule, il me semble que je les vois, point de suspension. As-tu mis le vin dans les burettes ? Point d'interrogation. As-tu mis le vin dans les burettes ? Point d'interrogation. Donc je répète, tiret au point d'exclamation. Dieu, virgule, il me semble que je les vois. Point de suspension. As-tu mis le vin dans les burettes ? Point d'interrogation. Retour à la ligne et tiret. Oui, virgule, mon révérend, virgule. Oui, virgule, mon révérend, virgule. J'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Oui, virgule, mon révérend, virgule. J'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Oui. Et en fait, dans la règle, si on se trompe une fois sur burette et qu'il y a deux fois le mot burette, on a deux fautes ou une ? Non, mais tu peux prendre deux orthographes différentes. On est très très bienveillant, ouais. ça ne compte que comme une faute. Un coup tu mets deux R, le premier coup tu mets un seul R. Ouais, mais alors après, tu es sûr que forcément tu vas avoir une mais faute. Mais t'as qu'une faute, t'en as pas deux. Ouais, c'est vrai. C'est pascalien comme truc. Oui, virgule, mon révérend virgule, j'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Mais dame, point d'exclamation. Voilà. Mais dame, attention, il y a un piège. Oui. Mais dame, point d'exclamation. Ouais. Au sens de grande dame. Mais dame, point d'exclamation. Non, mais on copie pas. Ouais. Mais dame, point d'exclamation. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant. Mais dame, point d'exclamation. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Point final. Je répète, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Point final. Comment s'est déroulée cette dictée ? Festive ? C'est normalement, vous commencez toujours par l'idée que c'est un jeu, cette dictée, qu'il faut s'amuser. Là, vous ne l'avez pas dit. Hein. Je ne l'ai pas dit ? Non. Ah, je pensais que vous l'aviez. Pourtant, du coup, ils ont beaucoup souffert. Amusés. Je crois que ça s'est vu. On était concentrés, mais on s'est quand même rudement amusés. Alors, Étienne Klein, notre producteur de la conversation scientifique, comment ça s'est passé ? Niveau de difficulté, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, mais je me méfie de moi-même. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de dictée. J'ai l'impression que ça a été, mais je m'attends à quelques surprises humiliantes. Bon, on a eu tout un vocabulaire du registre de la gourmandise. Est-ce que vous êtes gourmand dans la vie ? Les burettes, là, ça me... Oui, ça, c'est peut-être autre chose. Ça me titille. Ouais. Sandrine Trainer. Non, moi, c'est plutôt le révérend qui m'a posé des soucis. Ouais. Je me suis dit que, d'ailleurs, Étienne Klein, lui, saurait si on mettait une capitale à révérend ou pas, parce qu'il est plus bercé dans les histoires de révérend que moi. Non, moi, j'en ai pas mis. Ah bah moi, j'en ai mis dans une sorte de réflexe laïcard. Voilà, je ne peux pas... Ah ouais ? Pourquoi il faudrait mettre une majuscule ? Ah, je sais pas. Mon révérend, c'est très familier. Je sais pas. Quand vous dites mon révérend père ou ma révérende mère, là, vous n'en mettez plutôt pas et vous pouvez en mettre à père ou à mère, par contre. Mais les deux sont possibles. Là, en l'espèce, pour Alphonse Daudet, il n'y en a pas. C'est-à-dire que même là où je suis sûr de moi, vous distillez un doute. C'est ça l'idée ? Moi, j'avais dit que le révérend m'avait posé des problèmes. J'ai un problème avec les révérends. Je rappelle aux auditeurs de France Culture que l'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver à la page d'En français dans le texte sur franceculture.fr. On va reprendre ensemble cette dictée et tenter de soulever et voir avec vous les questions qui ont pu se poser avec Rachid Santaki. Et on commence tout de suite par Jésus-Maria, trait d'union entre Jésus et Maria. Jésus, bon, hein, Maria, tout va bien. Point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes. Alors, qui a mis une majuscule à moi ? Après un point d'exclamation minuscule ou majuscule ? Moi, j'ai mis une majuscule.
Aussi. J'ai mis majuscule. Alors, vous aussi, avez... Il me semble que c'est après le point virgule qu'on n'en met pas et qu'après le point d'exclamation, on en met... Ouais, après le deux points. Ça, c'est juste, sauf que là, vous avez faux parce que c'est une interjection qui se situe en milieu de phrase. On met une majuscule quand le point d'exclamation vient conclure la phrase. Là, elle se poursuit. Donc, c'est une minuscule. Donc, minuscule. Et donc, si vous avez fait la faute là, vous l'avez probablement fait par la suite aussi. Ouais. Mais on ne comptera ça que comme une faute. Ouais. Moi, qui aime tant... Les truffes, alors M, on est à la première personne. E, à la fin, tente et ANT, les truffes, deux F, ES, trois petits points. Trois petits points, vous aviez juste, Sandrine Trainer, juste après les trois petits points, on ouvre avec une majuscule pour le coup, pas après le point virgule, mais aussi après le point. Donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Alors Garrigou, vous l'avez appelé finalement Rachid Santaki, oui, on en sûr, a un à France Culture de Garrigou, donc, a priori on sait tous l'écrire. Mathieu Garrigou Lagrange, donne-moi vite mon surplis, donne, pas de difficulté, pas de S à donne, hein, D-O-2-N-E, non. Trait d'union, non. M-O-I, vite, mon surplis. Alors surplis, comment l'avez-vous écrit, Sandrine? J'ai hésité à mettre un tiret entre sur et pli, et dans le doute, j'ai mis le tiret en dessous du R, de sorte de pouvoir donner le sentiment de l'avoir mis ou pas. C'est quand même... Donc je vous dirai pas, en fait, si je l'ai mis ou pas. Mais, Moi, j'ai écrit S-U-R-P-L-I-S. Très bien. Est-ce que Sandrine a mis un S ou pas sur... Ouais, elle a mis un S. Elle a plusieurs versions. Le tiret prête à confusion, mais en même temps, il est largement en dessous. Donc, Alors, c'est un tiret de secours, en fait. C'est ça. C'est pas mal. Pour Sandrine, on restera dans le flou, mais pour Étienne, vous êtes dans le juste. Surplis, S-U-R-P-L-I-S, donc toujours avec un S pour un surplis, même au singulier, à la différence de pli, qui n'en prend pas. N'allez pas me demander pourquoi. Parce qu'il est sur plusieurs plis. C'est un vêtement qu'on met sur un autre vêtement, ça cache les plis, il y en a toujours plusieurs. Mais c'est on allait vous le demander, Étienne, merci comme beaucoup. Comme ça, j'ai raisonné. Non, mais c'est une tricherie, parce qu'il a eu une première partie de sa vie dans les surplis. Et ça, les surplis de l'armée. Et avec les dindes. Et avec les dindes, virgule. Qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont pu se poser là, Rachid? Non. Il n'y a pas de difficulté. Non, on a mis cuisine au singulier. CCD a aperçu et cuisine au singulier. Ouais. On continue. Oh, toutes sortes de bonnes choses. Pas de majuscule à toutes. On l'aura compris désormais après cette interjection. Ouais, ok. Toutes sortes, avec ou sans S? Avec. Et bonnes choses, avec ou sans S? Avec. Avec deux fois, pour toutes sortes et pour bonnes choses. Pareil pour moi. C'est Rachid, pareil pour vous et pour Alphonse Daudet? Eh bien, c'est ça. On marque la notion de totalité, mais possibilité aussi d'écrire sans S. C'est pas très sympathique, Olivia Gesbert, d'avoir essayé de nous faire croire qu'on s'était trompé en mettant des S. On n'est pas là pour être sympathique, on est là pour jouer. On avait trois fautes. Hein. quatre fautes. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Ouais. Infinitif, participe passé. ER à la fin. ER, très bien. Ouais. Des faisans, comment vous écrivez faisans? Allez, on y va là peut-être avec vous, Rachid, pour la suite. Ouais. Oui, F-A-I-S-A-N-S pour cette suite de saveurs. Et des HUP. Ouais. Alors moi j'ai mis H-U-2-P-E-S. Moi Parfait. Aussi. Très bien. Moi aussi. Ça va peut-être se corser à Gélinotte. À cause de Riquet à la HUP. Hein ouais. Et Gélinotte, non, c'est pas compliqué. Moi j'ai mis un N et deux T. C'est ça? T'as mis quoi toi? Un N et deux T. Ah, moi j'ai mis un L et un seul T. Ah, donc c'est effectivement avec deux T. Ah, ouais, bah, c'est une chance sur deux, hein. C'est pas la peine de se vanter non plus. Non, parce que quand on a réfléchi à la question, les probabilités augmentent dans un sens. Parce qu'en plus, tu as réfléchi à la question. Bah oui, j'ai réfléchi parce que note avec un seul T, c'était pas visuellement, ça m'aurait choqué. Et bah... Alors, un L, un N, deux T, en tout cas, on en est là. On est surtout à deux. Qu'est-ce que c'est, les gélinotes? Du coup, les gélinotes, c'est un oiseau tétraonidé des forêts tempérées, froides, d'Eurasie, sédentaire et omnivore. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on vous a c'est pas... ça qui m'a aidé. On n'a pas pris soin de définir le mot pendant la dictée parce que les oiseaux tétraonidés, pas sûr que ça aide pour savoir s'il y a un N ou deux N. Si je peux me permettre, c'est quand même parce qu'il a fait la plaisanterie sur les notes sur 20. C'était pour te tromper. J'ai mis un seul T. Et ben voilà. Comme donc quoi. J'ai été à demi trompé par mon partenaire de droit. Enfin, moi. Je tiens à préciser que vous m'avez troublé aussi pendant la lecture. Hein. Qui? Très dissipé. Ah non. Moi nos participants. Regardez votre directrice. C'est normal, c'est la fin de l'année, on est dissipé.
Des coques de bruyère. Alors, coque. Allons-y, Étienne. C'est un mot que vous connaissez. Coque. C-O-Q-S. Très bien. De bruyère. B-R-U-Y-E, accent grave, R-E. Parfait. S donc à coque, pas à bruyère. Hein. La plume en volait partout. Volait, un mot, deux mots, en volait. Bah, j'ai hésité là. J'ai mis en deux mots. Moi aussi. C'est juste. La plume en volait haïtée partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles. Étang, vous l'écrivez comment? Avec un G. Oui. Ça vient du vieux français estanque. Puis le mot a dégénéré. C'est pas un texte de Heidegger. Hein. Non. Pas tout à fait. On a apporté des anguilles. A-N, G-U-I-2-L-E-S, des carpes dorées, E-E-S, féminin de carpe, des truites et des trois petits points. Rachid, à vous. Donc, grosse, comment, virgule, les truites, virgule, garigou, pas de difficulté. On n'oublie pas le S à grosse, qui s'accorde avec les truites. Donc, tiret grosse, comme ça, virgule, mon révérend. Ah. Point de suspension, énorme E-N-D. Point d'exclamation. Alors, moi j'ai mis... minuscule à R, ou R, mon révérend avec un D à la fin. Oui, il y a un D à la fin. Un D. Oui, un Denis. D. Oh, on est d'accord. Donc la question, c'est la majuscule. Effectivement. Alors. R, minuscule, E accent aigu, V, E accent aigu, R, E, N, D. Je trouve que tout ça n'est pas très révérencieux. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai bon. Oui, exactement. Voilà, et selon le Larousse, sans majuscule, le révérend Smith, la révérende mère supérieure, le révérend père Dubois, avec majuscule, allez comprendre. Donc mon, révérend père, il y a une majuscule. Mon révérend père, là on met la majuscule à révérend, ou le révérend père, parce que le titre n'est suivi d'aucune mention, d'aucun nom. Non mais là, Rachid a dit, grosse comme ça, mon révérend père, énorme. Donc il y a un R majuscule. Non, il n'a pas, pas dit père. Si, il a dit. Non. Ah bah il faut tout recommencer. Ah non, il n'a pas dit, je ne l'ai pas entendu. Ah bon? Non, il a dit mon révérend. Attention, le principe de la radio, c'est qu'on peut rembobiner quand même. Hein. Donc on vérifie. Non, il a pas dit. D'accord, ok, il n'a pas dit. Oui, c'est comme dans un bon match de foot. Derrière. Donc voilà pour la règle. Énorme, hein, avec un S à énorme. Oh Dieu, Dieu, là on met à la majuscule, malgré l'interjection, parce qu'on est révérencieux envers Dieu. Il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Alors burettes peut-être. Petite définition de burette, une petite question d'orthographe. Petite fiole, non? Oui, ça. Moi, j'ai mis un seul R et deux T. Moi aussi. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc, on continue. Oh, mon révérend, suivi de rien, pas de majuscule. J'ai mis le vin dans les burettes. Mais dame, dame, alors pas de majuscule à dame. Je trouve qu'on aurait pu aussi se poser la question, mais non. M-A-I-S, pas mesdames. Hein. C'est pas mesdames, c'est mes. Dame, M-A-I-S, plus loin, dame, D-A-M-E. Oui. Il, toujours sans majuscule. Il y a un E à la fin? De quoi? De dame. Oui. Ah oui. Ah, moi, j'ai mis D-A-M. Pourquoi? Comme grand dame. Ah, oui, que... Mais dame, grand dame, ô grand dame, non? Eh ben non. Ben non, ben non, voilà. Bien. Et le révérend, donc, j'ai remis une majuscule, mais ça compte pas. Non, ça compte pas. D'accord. Ok. Et comme vous avez remis une majuscule à « il » après « mesdames », ça ne compte pas non plus, parce que c'est une minuscule. « Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. » Est-ce que là, il y a des majuscules qui traîneraient dans cette phrase pour vous? Ben, non, je n'aurais mis aucune. « Messe, minuit ?» Non. Non, il n'en fallait pas. « Vaut, V-A-U-T, pas celui que vous boirez, E-Z, tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. » Voilà, c'est terminé. Pour cette lecture correction. Qu'avez-vous pensé de cette dictée? Moi, j'ai qu'une faute. Enfin, j'ai une faute à dame. Et puis, l'histoire de majuscule que je considère comme des fautes mineures, bien que ce soit majuscule. Donc, en fait, tu fais l'exercice et tu te notes. En fait. Je me gélinote. Non, mais on a eu de la chance quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, la capitale comme toi, le révérend. J'ai jugé bon de lui mettre un R majuscule et il y a un autre. J'ai l'inote, non, c'était bon. Et je laisserai le doute sur surplis. Mais enfin, bon, objectivement, j'ai lié le R et le P, mais. Voilà. Alors, de toute façon, il y a une tradition dans cette émission, c'est de signer. Non, mais c'est une incarnation. C'est Étienne Clerc de signer votre dictée. Et puis, nous allons prendre une photo. Que nous mettrons avec votre accord sur le site internet, sur franceculture.fr, pour voir votre calligraphie.
la beauté de votre trait, mais aussi pour être sûr que vous n'avez pas triché et qu'il n'y a pas d'erreur et que toute faute a été avouée. Pourquoi cette dictée, Sandrine Trainer, tous les samedis? Pourquoi vous aviez envie d'offrir ça aux auditeurs de France Culture? Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Rachid Santaki et qu'il m'a raconté ce qu'il faisait et comment il avait commencé à faire des dictées, plutôt dans les banlieues des grandes villes, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu l'exercice intimidant qui pourtant m'intimidait. J'étais pas particulièrement bonne en orthographe quand j'étais petite. Je n'ai vu que l'occasion d'une forme de rassemblement qui, me semble-t-il, prenait au sérieux l'autre, qui avait une forme de respect à se pencher ensemble autour d'un texte et essayer de savoir voilà, comment ce texte était construit et comment tout ça s'orthographiait. Je trouvais que c'était, oui, c'est ça, que c'était une belle idée fort respectueuse. Et puis, ça paraissait dingue, évidemment. Alors ça, c'est le fond, puis dans la forme, mais qui est aussi du fond, c'est que ça paraissait dingue de faire ça à la radio, et moi, j'aime bien les trucs qui paraissent dingues. Et c'est devenu un exercice plutôt radiogénique, en réalité. Et en fait, on s'est rendu compte, on l'a testé une fois en direct, hein, on n'en menait pas large, on n'était vraiment pas sûr, et en sortant, on était sûr qu'on avait vraiment envie d'essayer de le faire, et vous le faites très bien tous les deux, donc on est ravis de vous retrouver tous les samedis. Nous, on s'amuse bien à vous faire tous souffrir les uns les autres tous les samedis à 17h30, voire parfois à y prendre un peu de plaisir. Il y a de plus en plus aussi d'invités qui nous racontent leur rapport à la dictée. Étienne Klein, je ne sais pas comment c'était pour vous quand vous étiez petit, mais parfois, c'était un exercice qu'on aimait beaucoup, qu'on a quitté, peu retrouvé, et avec lequel on se réconciliait aussi pour d'autres invités. Certains pratiquent l'autodictée, c'est-à-dire se font leur propre dictée pour essayer de s'entraîner. C'est aussi un sport de combat. Oui, puis c'est un exercice de rigueur qui est amusant. Et combiner l'amusement et la rigueur, c'est quand même assez rare. Et c'est ce que j'ai ressenti. Au début, j'avais un peu peur. Et puis au bout de 3-4 lignes, je me suis senti à l'aise et j'ai commis ces quelques erreurs que je regrette, sans doute parce que j'ai cru que c'était trop facile. Est-ce que ça dit quelque chose de votre rapport à la langue aussi, à la langue française, au plaisir que vous y trouvez, à dictée, manier, à lire ? La dictée géante, est-ce qu'il y a des anagrammes à la dictée géante ? Il y a cadette géniale. Cadette géniale. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Mais je vois que Sandrine Trainer opine du chef quand je dis cadette géniale. Et je pense que c'est un signe rassurant. Ça s'est écrit, en fait. Dans quelques secondes, vous allez nous donner votre anagramme du jour. On est le 26 décembre, c'est la fin de l'année. Ça fait 4 mois, hein, Rachid Santaki, déjà, qu'on pratique cet exercice tous les samedis ensemble avec beaucoup de plaisir. Et Sandrine, juste vous, un mot sur votre rapport à la langue, au plaisir que vous trouvez dans les mots, à les écrire, à les orthographier bien, c'est pas si facile à dire. Et à les lire aussi. Vous êtes de ceux ou de celles qui lisent à voix haute? Alors, généralement, quand de un texte celles. Vous plaît. Oui. Non, je ne lis pas à voix haute et je trouve ça très difficile et très fatigant d'articuler des lectures à voix haute, je veux dire, sauf à déclamer un texte, mais je veux dire, quand je suis seule, je ne lis pas à voix haute. Ça compte, comment s'écrivent les choses. Je pense qu'on a eu des discussions sans fin sur l'écriture de Covid et le et la, et on voit bien que c'est pas qu'une plaisanterie, c'est question de code, comment s'entendre, comment se lire, comment se comprendre. Ça passe aussi par ce formalisme. Et puis par ailleurs, je suis un peu troublée parce que j'avais complètement oublié que vous preniez une photo, et alors j'ai commencé à faire des petits dessins comme je le faisais à l'école, puis j'ai fait un grand cœur, et donc c'est un peu troublant finalement. Mais non, ce serait un grand cœur pour les équipes du Théâtre de la Ville qui nous ont accueillis aujourd'hui encore, et on les en remercie. Merci mille fois. J'invite les auditeurs à se rendre à partir du mardi 29 sur le site du théâtre pour y retrouver, mise en ligne gratuitement, en accès libre, donc cette pièce, ce ballet produit par la compagnie de danse britannique Dofus Schechter, qui s'intitule Political Mother Unplugged. Voilà pour cette pièce que vous pouvez retrouver sur le site, mise en ligne, en attendant la réouverture des théâtres, bien sûr, qu'on espère très très prochaine. Tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Vous êtes avec nous, Étienne. On va pouvoir en profiter pour cette minute de fin avec vous. Oui, alors on va parler de physique, parce qu'on parle rarement de physique dans les théâtres, et on va parler d'une physique qui renvoie à l'idée de théâtre. Je m'explique.
On va chercher ensemble l'anagramme de la théorie de la relativité restreinte. Toute l'expression. Alors je vais vous donner quelques indices en rappelant que cette théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 invite à rassembler l'espace et le temps sous la coupe d'une entité unique qu'on appelle l'espace-temps. Que représente-t-il ? Tout simplement la trame de l'univers. Il est la vaste scène de théâtre au sein de laquelle se déroulent les événements. Il contient en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement passé, présent ou futur, y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. Respiration. Vérifier. Une anagramme, Étienne, une anagramme. C'est le principe, c'est un chamboule-tout hein, avec les mots. Ouais, Pendant ce temps, Sandrine et Rachid... On change l'ordre des mots et on espère qu'à la fin, on aura un nouveau mot ou une nouvelle expression qui aura du sens. Alors, on suspend une minute le temps. Sandrine Trainer, Rachid Santaki, la théorie de la relativité restreinte. Petite gymnastique pour essayer de trouver à quoi peut-être aboutir. Ah non, alors, je suis incapable de faire un exercice pareil. Rachid, alors, je vais ajouter un indice. C'est que cette théorie a été vérifiée aux plus petites échelles, au niveau des particules élémentaires, et aux plus grandes échelles cosmologiques. Merci pour l'indice. Est-ce que ça vous aide ? Oui, alors, en indice, vous n'êtes pas très bon, Étienne, si je peux me permettre. Bah, ça dépend pour qui, en fait. Hein. Et donc, je vais simplement conclure, parce que je pense que vous n'allez pas trouver. Je vais conclure en disant que la théorie de la relativité restreinte donne pleinement sens à son anagramme en ces lieux, puisque cet anagramme n'est autre que vérité théâtrale et loi intersidérale. La théorie de la relativité restreinte égale vérité théâtrale et loi intersidérale. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. Cet anagramme au féminin donc est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les trois.